Ne parle que si ce que tu as à dire est plus beau que le silence. Je sais pas faire un nœud de cravate normalement. Je prends la cravate, je commence par la fin, je prends la cravate comme ça, tac tac tac, et j'arrive. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est le même procédé. C'est, je commence par la fin, hein, et après je. Et la cohérence, si tant que c'est pas cohérent, bon, je travaille dessus. Il y a des polissages à faire. Hein, c'est comme la façon de faire, c'est de poser des choses sans lien apparent, et après travailler sur la cohérence. Et trouver le lien, la sauce, comme la cuisine. Mais la cohérence, elle y est, je pense qu'elle y est dans la mesure où c'est le même cerveau qui a conçu les choses. Voilà. Donc je pense que c'est ça. C'est un procédé un peu, comment dire, un peu... empirique. Un peu fumiste, quelque part. Mais est-ce que l'art, c'est pas ça, être fumiste, justement. Être transgressé, et dans une œuvre, dans un concert, par exemple, un concert complet, il y a une construction qui est faite, il y a une construction à l'intérieur d'un morceau, avec une cohérence à l'intérieur d'un morceau, c'est-à-dire à l'intérieur de 3, 4, 6 minutes. Mais après, il y a une cohérence globale, une construction globale. Mardi soir, je passe devant les Dames de France, le 89. Tiens, plein de voitures garées. On doit y avoir un loto. Tout au bout du bout des barques, il y a la rotonde. Et à la rotonde le mardi, ça tourne rond, ça swing un max. Il y a la jam, le bœuf mironton de la rotonde, avec Loulou, René, Jules Calmette et le merveilleux Michel Olive. Le fait qu'il y ait du texte, plus la musique qui vient se rajouter et tout, pour moi c'est un truc qui... Voilà, c'est enfermer les gens dans une bulle, dans un cocon, pendant un temps donné. Voilà. C'est une forme qui me plaît bien parce qu'elle, bon, elle réunit un peu tout. Quand j'ai entrepris des créations de spectacles complets, je ne me voyais pas faire que de la musique. Quoi. Il me fallait que des interventions de récitant, ça prend du temps. Donc. Et puis finalement... au départ, c'est devenu une nécessité, je dirais, triviale, mais ça s'est apparu comme une nécessité artistique au fur et à mesure. Parce que le récitant disant sa phrase ou son mot ou son petit texte installe le climat et conditionne le spectateur. Vraiment quelqu'un qui est dans la digression. C'est-à-dire que, partant du principe que de toute façon, tout est dans tout et réciproquement, et que le lien va se faire quelque part, à un moment. Et donc je pars dans des directions. Alors je suis parti sur Jean-Michel Cabrol, je suis parti sur Charlie Parker, je suis parti sur des trucs comme ça. Et après, il m'est venu l'idée, bon justement, j'ai pensé à mon adolescence à Narbonne,
au jazz à Narbonne dans les années 60. Quoi. Alors, les bœufs à la rotonde, les barques, les dames de France, et forcément, comment ne pas penser à tout ça sans penser à Jean Eustache. Donc le lien s'est fait systématiquement. Je me rends compte que Jazz et moi, c'est les initiales de Jean Eustache, J.E. C'est le jeu aussi, hein, le jeu du narcissique, quoi. Ouais. Et c'est aussi le jeu G-E-U-E. Narbonne. J'ai 16 ans. Du 43 rue droite au bout des barques, c'est ainsi qu'on nomme les allées du cours de la République, il n'y a qu'un pas. Arpenter les pavés usés, bordés de rigoles, drainant la mousse de l'eau de vaisselle d'après le repas du soir. Affronter ce vent du nord, agressif. Le Cers, déteste-t-il le jazz ? J'appelais ça Jazz et moi, c'est pas pour rien aussi, hein, parce que c'est à partir du moment où je suis ému moi que je vais pouvoir émouvoir les autres. Et je suis ému, je peux être ému par des choses complètement anodines. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont c'est dit, et c'est la façon dont on le reçoit, forcément, puisque c'est pas dit de la même façon. C'est tout ça, c'est dans la forme. Chacun a sa forme. Et l'art, là, c'est justement le fait de trouver son propre langage. Voilà. Mais on est sans cesse ému parce que par la façon dont c'est dit. Et donc ça déclenche une émotion qui est peut-être nouvelle. Peut-être que l'émotion elle-même est nouvelle. C'est pas la même. Si on entend parler de... Si on entend Jean Ferrat chanter Les Camps, par exemple, on va avoir une certaine émotion. Si on entend quelqu'un d'autre chanter ça, ce sera un autre type d'émotion, peut-être. Peut-être qu'on va entendre de l'humour sur quelque chose et que ça va nous créer une émotion indicible. Enfin, voilà, je crois que c'est...